Salut à tous, je vous accueille aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire part des produits terminés Action. J'ai une petite sélection, je pense que j'en ai une vingtaine, et je vous donne mon retour en toute transparence comme d'habitude. J'avais acheté ça au rayon, vous savez, où il y a les papiers cadeaux et tout ça. J'ai trouvé ça super sympa parce qu'il y a 150 petites étiquettes autocollantes sur différents événements. Vous pouvez en mettre qui sont plus neutres, comme le cadeau comme ça ou le cœur, for you, pour les anniversaires. Voilà, il y en a 150, donc il y en a beaucoup. Et ça se présente sous forme de rouleau. Ça m'a coûté pas trop cher, je crois que ça m'a coûté moins de 2 euros, peut-être 1 euro. Soit 99 centimes, soit 1,99 €. Ensuite, celui-ci, c'est le self-tan. J'ai pas trop aimé. C'est de la marque Beauty Department et c'est censé vous donner un petit haul, un voile aller en fait sur le visage. Désolée, je perds mes mots. Il fallait mélanger ça à de la crème hydratante dans votre crème de jour par exemple pour le poser sur votre visage. Honnêtement, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas trouvé de résultats spectaculaires. J'ai pas aimé. Ça a coûté 2,49 €. En plus, j'en avais acheté plein, donc je suis vraiment déçue par ce produit. Ensuite, j'achète souvent ces petits sacs refermables, vous savez, à mettre dans le congélateur ou même pour garder des petites choses à l'extérieur, frigo ou même sur un plan de travail. Je les achète petits comme ça, donc il y en a deux de taille, un qui fait 0,8 litres et l'autre c'est 0,2 litres. Donc c'est le orange qui est vraiment très petit. Il fait 11 cm de hauteur et l'autre presque 18 cm, 17,5. Mais c'est très pratique pour les gâteaux, les sandwichs, ce genre de choses, parce que ça a vraiment la bonne taille. Et après, si vous congelez dans de la viande en toute petite quantité, c'est très bien. Il y en a 25 et 25 à chaque fois pour chacune des dimensions. Et ça coûte moins de 2 euros. Je crois que c'est 1,29 € ou 1,99 €. Ensuite, je vous montre rapidement ce baume. Je les ai achetés en trois couleurs et je les ai essayés au mois de mai-juin. Donc, je peux vous faire le retour. J'aime beaucoup l'effet marbré sur l'emballage, mais aussi sur le, comment dirais-je, mais aussi sur le stick en lui-même. Donc sur les lèvres, c'est un petit nacré. Là, il est rose. Après, j'ai acheté aussi, je crois, une couleur un peu orangée, l'autre un peu plus rouge. Ça m'a coûté 1,29 €. J'en suis satisfaite, ça hydrate bien. Cela, c'est des petits disques pour le lave-vaisselle. Ça coûte 1,49 €. J'utilise à peu près, on va dire, une fois par mois, voire un peu plus. Il faut le mettre dans le lave-vaisselle quand il n'y a plus du tout de vaisselle. Vous avez fini votre cycle et vous lancez un cycle normal. Ça enlève le gras et ça sent le citron. J'avais acheté ça pour mon bébé. Donc, il est conseillé au plus de 3 mois. C'était un anneau de dentition. Il était rose et violet. Je sais plus combien ça m'a coûté. 2,39 €. Je l'avais pris pour nos petites vacances. Et honnêtement, j'aime bien. Je le mets dans le frigo aussi pour lui avoir un effet un petit peu anesthésiant sur sa gencive. Il est super sympa et vraiment robuste. Alors ça, je connaissais pas du tout. Je l'ai essayé justement. C'était un labello avec un, bon, ça l'est toujours, hein, je l'ai pas fini, avec une forte protection UV. Donc là, c'est un labello avec un indice 30. Je l'ai mis sur moi et mes enfants quand on est parti en vacances et honnêtement c'est bien. Je savais pas que ça existait des labellos, vous savez, avec des indices, mais j'étais agréablement surprise. J'aime beaucoup. Ensuite, passons petite gourmandise. Ceux-là, je les aime beaucoup. C'est encore du chocolat belge. Là, il y a 260 grammes. C'est des cacahuètes enrobées de chocolat au lait. Presque du chocolat noir. Honnêtement, j'aime beaucoup. C'est fair trade, donc issu du commerce équitable. Je crois que ça m'a coûté moins de 2 euros. Honnêtement, ils sont très très bons. C'est une bonne alternative aux M&M's parce que c'est, à mon sens, plus sain que la couche, vous savez, colorée de la marque M&M's, c'est que du sucre, quoi. Hop. Belle découverte aussi, c'est ce bronzer qui, on dit qu'il est pour le visage et le corps. C'est un bronzer, j'en ai acheté deux.
Ça m'a coûté 1,99€. Honnêtement, j'utilise là au quotidien. J'en mets sur le visage, vous savez, un petit peu en forme de trois comme ça. Temple, un peu sur les joues et le menton, quoi. Honnêtement, il est top. Je le trouve très bien pigmenté. C'est un joli éclat. Il fait le job du bronzer. J'en applique un petit peu aussi sur le cou et vous savez, un peu le buste. Honnêtement, il est top top. Ça vaut le prix. Et c'est un grand packaging. Donc, il y a beaucoup de produits dedans. Je sais plus combien ça faisait. 14,5 grammes. Honnêtement, foncez si vous le retrouvez encore. Je pense qu'il y est en rayon. On va faire un petit clin d'œil au niveau des masques. Donc ça, c'est ce que j'avais utilisé avec ma fille. Elle aime souvent les animaux comme ça. Donc on a pris le renard ici et les petites perruches, je pense, ou des perroquets. Très frais, celui-là, il est au bambou et celui-là, il est avec du jus de concombre. Donc ça coûte 75 centimes l'unité. Ceux-là, mes incontournables, je les mets quasiment une fois par semaine, voire plus. Les quatre petits paires de patchs qu'on met sous les yeux pour les cernes. Donc, c'est un anti-cerne. Et c'est au concombre. Et moi, comme je vous dis, je les place dans le frigo. Et on me demande de les garder 30 minutes. Moi, je les laisse plus ou moins longtemps. Des fois, je pense que c'est moins de 30 minutes que je les laisse. Hop, donc ça, j'ai bien aimé. Ensuite, des petits incontournables niveau téléphone. Celui-ci, j'ai trouvé et je n'avais jamais utilisé et je trouve ça assez sympathique. Donc, c'est un cordon sur lequel il y a une petite étiquette comme ça en plastique, vous voyez. Et ça nous permet de maintenir le téléphone. Il faut le caler entre le téléphone et la coque de protection que vous avez. Et ça s'accroche. Le cordon, c'est surfait pour des téléphones de manière universelle. Donc, ça marche sur tous les téléphones. Et le cordon derrière, vous pouvez l'ajuster à la taille que vous voulez, si vous voulez qu'il soit plus haut ou plus bas. Et c'est super pratique quand on est en vacances ou quand on a les enfants en bas âge, là, qu'il faut souvent porter, tirer, pousser. Bon, bref, vous voyez un petit peu. On a toujours le téléphone à proximité parce qu'après, on ne sait jamais où on l'a posé. Donc voilà, ça quand vous vous déplacez ou vous êtes en vacances, je trouve ça vraiment pratique et ça m'a coûté 79 centimes seulement. Hop. Pareil au niveau du téléphone, ça j'en ai deux, ils sont super sympas. Donc c'est un petit anneau, alors ça m'a coûté 99 centimes, c'est un petit anneau pour le téléphone qu'on place ici, vous allez le voir. Il existe en différentes couleurs, en doré, en noir, en argenté et en rose gold il me semble. Et il vous permet, donc l'anneau tourne sur lui-même en 360 degrés, on peut le mettre un peu comme une bague, donc du coup vous l'avez à votre majeur et c'est sécurisé si quelqu'un veut vous le l'enlever, il est dans la main quoi. Pareil, ça vous évite de pas le faire tomber si vous le mettez dans comme une bague. Et pareil, il vous permet de le, vous savez, le mettre comme ça quoi, incliné comme si c'était une tablette. Ça tient bien, donc si vous regardez quelque chose en même temps que vous cuisinez ou autre, vous avez toujours la possibilité de l'avoir maintenu comme ça et l'écran bien. Donc ça coûte 99 centimes, c'est un bel investissement pour moi. Je sais que j'en ai acheté deux déjà. Alors il y avait celui à la cannelle que j'avais pas aimé, mais ça je les ai essayés en vacances avec du coup ma soeur. L'idée c'est que ceux-là en mode peel-off, je les adore. Donc le peel-off, c'est quand vous mettez le produit sur votre peau, que vous laissez agir, je sais pas, une vingtaine de minutes, et après ça va sécher, il faut l'enlever. Donc le fait que ce soit un peel-off, c'était vachement mieux, parce qu'il y en avait moins partout. C'est très un aspect un peu gélifié, donc très frais, ça enlève bien les saletés sur le visage, toutes les petites impuretés qu'on a pu accumuler. Donc celui-ci, il est au charbon, et l'autre, il est au thé vert. Honnêtement, si je retrouve les peel-off comme ça, je crois que c'était de la marque 7-Eleven, j'en prendrais. Et ils coûtent vraiment pas cher, je crois que c'était 56 centimes ou un truc comme ça. J'ai hâte de les retrouver pour prendre du coup que les peel-off. Hop, celui-ci pour le bébé, il s'agit du petit matelas de la surprotection sur la table allongée, le petit matelas de la table allongée. Donc moi j'ai pris avec les feuilles un petit peu comme ça, donc ça fait un peu unisexe. Il est en vert et j'ai vraiment aimé, il s'adapte parfaitement à la dimension du matelas et il passe en machine très bien.
La partie serviette n'est pas rêche du tout. Honnêtement, j'aime beaucoup. Et c'est du 100% coton. Ça m'a coûté moins de 4 euros. Oui, 3,49 €. Ravie de l'investissement. Le Colgate Max White Design Edition. Celui-là, j'avais vraiment aimé. Il m'en reste encore. Crystal Mint. Donc, c'est avec des petits cristaux de menthe. Honnêtement, il est ultra frais. C'est une bonne sensation en bouche et qui dure un peu longtemps. Honnêtement, j'ai bien aimé. Ça a coûté 1,60 €. Ah, désolée, j'ai dû en refaire une deuxième parce que ça a coupé, ça n'avait pas pris la fin de la vidéo. Donc, je vous représente celle-ci. Il s'agit d'une petite serviette microfibre. J'en ai acheté 3 ou 4. C'est d'une grande dimension. C'est sur 1 mètre sur 1 m 80. Donc, on dit qu'elle sèche vite, elle est absorbante et elle prend pas de place. Donc, elle est ultra compacte. Honnêtement, j'aime beaucoup. Elle existe avec différents motifs. Donc, il y a ce vert avec des feuilles. Il y a un vert uni. Et il y a édition avec la plage, vous savez, du sable et de l'eau. Honnêtement, c'est une très bonne qualité. J'en suis extrêmement ravie. Ça coûte 6,95 €. Idem, pour ma fille, je lui avais acheté ce petit maillot de bain ici, Mickey Mouse. Donc là, c'est mini. Je me doutais un petit peu, la tête était un peu trop grande. Mais au niveau de la qualité, elle y est. J'ai juste fait un petit nœud là en attendant pour elle. Elle pourra le remettre en juillet et en août sans problème. Donc, c'est de la bonne qualité. Ça a coûté 5,99 €, pas si cher que ça. Et on finit par les petites gourmandises. Donc, j'ai acheté. C'est Be Ready. Ma fille les adore. C'est des gâteaux au Nutella qui se présentent un peu sous forme de baguette comme ça. C'est croquant ici, c'est fourré au chocolat. Il y en a 6 et ça coûte 1,88 €. Donc voilà. Et sur ma petite touche douceur pour moi, c'est ces Snickers que j'affectionne particulièrement. Un très bon équilibre entre le chocolat et le beurre de cacahuète. Donc c'est fourré au beurre de cacahuète avec des petits éclats de cacahuète là. Et il y a une pointe de sel. C'est trop trop bon. Il y a 5 sachets individuels et dans chaque sachet, excusez-moi, il y en a 2. Donc honnêtement, c'est très 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 bon. Et ça coûte un peu moins de 3 €, me semble-t-il. Donc voilà, j'espère que ce retour de produits finis action vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. À très vite dans une prochaine vidéo.